Bah, aujourd'hui, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême parce que depuis que je suis toute petite, je suis ici. Et c'est important pour moi de donner ma vie à Dieu et de savoir qu'il est là pour moi. Voilà, Aliana a tout dit. Même si elle a grandi dans l'église, elle a réalisé qu'il est nécessaire de donner sa vie à Dieu. Comme dit la parole de Dieu, que nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous le devenons. Et tous ceux qui croient en lui, ils deviennent. Donc c'est un choix, c'est un engagement qui est ce baptême. Donc on va y aller, Aliana, je te tourne comme ça. Voilà. Ma sœur Aliana, as-tu l'assurance du pardon de tes péchés et de posséder la vie éternelle? Crois-tu que tu es une nouvelle créature en Christ par l'union à sa mort et à sa résurrection? Décides-tu de conformer ta vie à toutes les exigences de la parole de Dieu? Décides-tu de rester fidèle à Jésus-Christ dans toutes les circonstances jusqu'à la fin de ta vie terrestre, ceci en comptant sur ta grâce, sur sa grâce, sur le témoignage de ta foi devant l'Église de Dieu? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais d'abord me présenter avant de dire la raison pour laquelle je me baptise. Je m'appelle Bagnoano Stéphane. Je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai passé toute ma vie au niveau à l'église des Assemblées de Dieu de Cocody. Et j'étais tout petit depuis mon enfance. Et ma mère et mon père ils sont pas chrétiens. Et j'ai vécu avec mon oncle, c'est lui qui m'a exigé et c'est lui qui m'a obligé aussi à marcher avec le Seigneur. Tous les dimanches, en fait, quand je me réveille, ils m'obligeaient à aller à l'église et moi je refusais. Tous les dimanches, quand on se réveille, ils me disaient non, va à l'église, tout ça. Et moi, je n'aimais pas trop tout ça. Et bon, au fur et à mesure, quand je vais pas le dimanche matin, c'est-à-dire que je ne dois pas prendre le déjeuner, ils me punissaient. Et j'ai vu que ce qu'ils faisaient, ce n'était pas bien. Mais au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai vu que ce qu'ils avaient fait, c'était bien pour moi. Et pour cette raison, j'ai choisi de marcher avec le Seigneur. Et je vais vraiment marcher avec lui, c'est pourquoi je décide aujourd'hui de passer par les eaux du baptême et de consacrer ma vie au Seigneur Jésus. Ben, on va répondre à ta demande, tu vas aller. Voilà. Mon frère Arnaud, as-tu l'assurance du pardon de tes péchés et de posséder la vie éternelle? Crois-tu que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ par l'union à sa mort et à sa résurrection? Oui. Décides-tu de conformer ta vie à toutes les exigences de la parole de Dieu? Oui. Décides-tu de rester fidèle à Jésus-Christ dans toutes les circonstances jusqu'à la fin de ta vie terrestre et ceci en comptant sur sa grâce? Oui. Sur le témoignage de ta foi devant l'Église de Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.